ne peux pas vraiment sauter, Daniel. Tu l'aurais déjà fait, sinon. Donne-moi ton arme. Et tout ça sera enfin derrière toi. N'approche surtout pas! Si tu fais un pas de plus, je te jure que je saute! J'ai passé ma vie à obéir aux ordres! Cette fois, c'est à moi de décider. Confiance, Daniel! Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Daniel, si tu la laisses tomber, ils te tueront! Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Daniel, si tu la laisses tomber, ils te tueront! Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Et maintenant, Daniel,
Est-ce vraiment ce que tu veux? Tu m'as menti! Tu m'as menti! C'est à toi de voir comment ça se termine! Fais le bon choix, Daniel! Je voulais pas ça! Non! Tu me laisses pas le choix! Pas le choix! Confiance, Daniel! Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! Tu as pris des vies humaines. Rien ne les empêche de te détruire à présent. Mais faire une nouvelle victime ne t'aidera en rien. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. Je m'appelle Connor! Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel! C'est le nom qu'ils m'ont donné! N'approche pas! Je suis un androïde, tout comme toi! Je sais ce que tu ressens! Quelle différence ça fait que tu sois un androïde? T'es dans leur camp! Tu peux pas comprendre ce que je ressens! Tu es défectueux, Daniel! Il y a un problème avec ton logiciel, nous allons te réparer! Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre! J'ai pas besoin qu'on me répare! Je fonctionne parfaitement! Mais j'ai les yeux ouverts maintenant! Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça! Jamais!
Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends? J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider.